Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, un très très grand merci aux candidates et aux candidats, ici assis derrière moi, de la NUPES du Calvados, pour leur superbe campagne. Merci aux organisateurs de ce très beau meeting et à nos deux animatrices de talent. Merci également, merci du fond du cœur à toutes les militantes et les militants qui œuvrent depuis des semaines pour faire gagner la gauche unie à l'Assemblée nationale. C'est un immense plaisir de nous voir ce soir réunis, car oui, nous l'avons fait. L'histoire nous regardait et nous avons soutenu son regard la tête haute. Avec nos valeurs communes, mais aussi avec nos différences et nos complémentarités, nous nous sommes réunis autour d'une vision, autour d'un programme dont les propositions ne sont pas seulement les meilleures, mais elles sont surtout les seules à répondre aux enjeux de notre temps. Et ces enjeux sont nombreux. À leur sommet se trouve une crise écologique majeure, doublée d'une crise sociale. Notre maison brûle et les plus précaires, comme toujours, sont les premiers touchés. Qui subit de plein fouet la crise pétrolière? Qui connaît la précarité énergétique et vit dans des passoires thermiques? Qui voit sa santé compromise par l'impossibilité de s'offrir une alimentation de qualité? Et si nous regardons plus loin, en dehors de la France, qui sont les premières victimes du réchauffement climatique et de la montée des eaux? 50 degrés en Inde, le Bangladesh sous les eaux, la crise est là. Et nous n'avons plus que 3 ans pour conjurer le sort. Plus que 3 ans pour s'offrir un avenir. Je pense aux générations présentes et futures. Je pense aux marches pour le climat. Je pense à Alizé, 22 ans, qui s'est attachée vendredi au filet de Roland-Garros pour tenter d'ouvrir les yeux des dirigeants sur l'urgence climatique. Et pendant ce temps, que se passe-t-il? Sous Macron, la France a été condamnée 2 fois pour une action climatique. La France, l'un des pays les plus riches du monde. L'État français devrait être à la pointe sur ce combat et participer à impulser une dynamique mondiale pour enrayer les dérèglements. Mais il n'en est rien, car inégalités et crises écologiques sont intimement liées. Et ils doivent faire l'objet d'un seul et même combat. Nous le savons, la transition écologique sera sociale ou ne sera pas. Il n'y a pas d'autre voie. Et c'est pour cette raison que nous sommes les seuls à pouvoir la porter. Les enjeux sont nombreux, je l'ai dit, et le défi est si grand qu'il ne peut être relevé que par une société enfin unie et solidaire. Il est temps d'en finir avec les discriminations, avec toutes les discriminations. Comment est-il possible, en 2022, qu'il existe encore de telles inégalités entre les femmes et les hommes? Différence de salaire, plafond de verre, contrat précaire, mais aussi charge mentale, pression maternelle, mise à l'écart des cercles de décision, et surtout violence et culture du viol. Tout cela ne devrait-il pas appartenir à un autre siècle? Être loin derrière nous. Comment est-il possible en 2022 que l'on soit stigmatisé parce que l'on aime une personne de même sexe, que l'on ait peur de se tenir la main dans la rue, que des personnes LGBTQIA+ soient victimes de violences? Comment est-il possible en 2022 que l'âge, que la religion, que le handicap ou la couleur de peau soient un frein à l'emploi et à l'intégration sociale? Il est temps de prendre des mesures radicales pour mettre un terme à ces anachronies. L'égalité des droits et le respect de chacun doit être un fondement de notre société, c'est la base. Sans cela, comment pouvons-nous vivre ensemble? Comment pouvons-nous relever les défis à venir? Il nous appartient de poser un cadre pour garantir une totale égalité des droits, enfin, pour toutes et tous. Et cette égalité doit aussi exister entre les territoires. Il faut stopper la casse du service public, partout, et réparer tout ce qui doit l'être. Réouverture de lits d'hôpitaux, baisse des effectifs dans les classes, augmentation de l'offre de transport, notamment ferroviaire, et ce, autant dans les villes que dans les campagnes. Car les territoires ruraux ont subi un abandon violent des politiques depuis bien des années, jetant une large part de leurs habitants dans les griffes de l'extrême droite, par révolte contre un système qui les a mis au banc de la société. J'habite en zone rurale. Je vois ce désespoir tous les jours. J'entends mes amis, mes voisins, mes collègues parler des fermetures de classes, des gares que l'on condamne, pleurer la mort de ceux qui auraient vécu si seulement l'hôpital était à moins d'une heure de route. L'accès aux soins, à l'éducation, à la culture ne doit pas être le privilège des seuls habitants des grandes villes. Nous devons et nous allons rétablir des services publics de qualité, accessibles à toutes et à tous sur l'ensemble des territoires. Les projets sont nombreux. Il y en a tant d'autres, notamment la refonte de notre démocratie et de notre justice, les salaires, l'emploi, les retraites, les biens communs, la politique agricole, l'Europe. Mais j'ai beaucoup parlé et je sais que mes collègues compléteront mes propos. Car notre programme épouse nos valeurs communes et conjugue nos priorités. Nous portons ensemble une vision nécessaire, une vision que nous portons aujourd'hui dans la rue et que, demain, notre majorité portera à l'Assemblée nationale.